coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai fini de travailler, je vais chez le coiffeur faire un soin à mes cheveux. En ce moment, je sais pas, j'ai les cheveux super secs. Mais vraiment, genre j'ai les racines, elles graissent super vite et mes pointes elles sont archi sèches, mais vraiment. Et tu sais, il y a des moments où tu peux pas t'encadrer. Ben là, en ce moment, je peux pas m'encadrer, voilà. Et mes cheveux, je sais pas, ils sont. J'ai pas les plus beaux cheveux du monde, loin de là. Et là, ils sont vraiment pas beaux, ils sont secs. Donc, du coup, je vais faire un petit soin là. J'ai une coiffeuse que je suis jamais allée, mais c'est là où je vais faire mes sourcils, les filles. Et là, elle s'est mis avec cette coiffeuse. Du coup, là, en fait, j'ai vu, elle était super sympa. Et moi, je fais pas de brushing, la couleur, je la fais moi-même. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire un soin pour mes cheveux parce que c'est une cata en ce moment. Je sais pas si c'est le changement de temps, je sais pas. Voilà, j'espère que vous allez bien. Oh, ça va, parfois les filles. Tranquille. Les filles, je suis dans un cinéma, j'ai trop envie d'y aller. Là, il y a les Trolls 3. Je suis sûre que Charlie, elle kifferait trop. J'ai déjà emmené au cinéma Charlie, donc Joy aussi. Bon, Joy, c'est un peu plus compliqué. Genre, 2 heures comme ça à attendre, c'était un peu compliqué. Mais ça, elle avait aimé. Et Charlie, elle était plus petite, donc voilà, pareil. Mais là, je suis sûre qu'elle aime trop. Elle adore les dessins animés. Mais j'ai trop peur par rapport au punaise de lit, la vérité. C'est impossible, je suis dans un cinéma là. Ben, en fait, il n'y avait pas de patrouille, le film. Mais Charlie, elle aime trop, je voulais trop y aller. Et en fait, je me suis dit, non, j'y vais pas en fait. Punaise de lit, elle, c'est mort. C'est mort. Je. Voilà. En fait, j'aime trop, il y avait Troll 3, j'aime trop. D'ailleurs, les filles, c'est à côté de ce cinéma. C'est quoi, variété? Victor Hugo, de toute façon, je vous mettrai l'adresse. Et. C'est là le salon. C'est là où je mets mes sourcils, les filles, en haut. Alors, les filles, donc je suis arrivée au salon. Alors là, elle était en train de me dire qu'elle va me faire un soin sur mesure. Donc, je sais pas, elle m'a sorti son téléphone. C'est la nouvelle technologie. C'est un questionnaire qui permet de faire un soin qui est vraiment sur mesure. Ouais. C'est le nouveau soin tailoring de Davines. Donc, qui est infusé. C'est les shampoings que tu as. Exactement. Ok. Infusé aux plantes et 98% naturel. Il est instantané. Et il y a des résultats qui sont vraiment bluffants. Ok. Alors, vas-y, pose-moi ta question. On y va. Cuir chevelu, tu trouves plutôt sec, pellicule, gras, sensible, démangeaison, fragile, paire de cheveux, cheveux sains. On peut cocher plusieurs trucs ou c'est un? Celui-là, non. Un seul. Alors, je dirais, mon cuir chevelu, il est gras, moi. Allez. Si, attendez, bon, là, j'ai pas trop le temps. De toute façon, tu comptais pas, si on voulait faire le truc, c'était pas aujourd'hui. C'est quoi ton prénom? Marie-Sophie. Marie-Sophie. C'était pas aujourd'hui, le truc. Le truc marron, là. Si on faisait, c'est pas aujourd'hui, non. D'accord. Il faut un peu de temps, oui. Tu vois, c'est vrai, c'est le matin. Ok, ouais. En fait, ici, je voulais peut-être changer de couleur, mais c'est pas un changement de dingue. Et je vous montrerai, en fait, je voulais faire un genre de. C'est quoi la couleur que t'appelles, là, que je t'ai montré tout à l'heure? C'est un chocolat, balayage. Non, c'est un balayage. Très léger, très naturel. Ouais, parce qu'en fait, elle me dit qu'il faudrait que. Parce que j'ai les racines plus claires, les types. Parce que vous savez, je fais les couleurs à la maison, moi. Donc après, moi, j'aime pas trop le coiffeur. Alors, j'ai pas une fille, elle est tout le temps chez le coiffeur. Du coup là ça me ferait aller tout le temps chez le coiffeur pour faire mes couleurs. Mais elle est super gentille, elle est pas loin de chez moi et tout. Donc à voir, il faudrait que je réfléchisse. C'est pas le changement de l'année, hein. C'est vraiment en fait retrouver ma couleur naturelle. Donc voilà, on verra, peut-être que je me lancerai. Parce que c'est vrai que là mes cheveux ils sont foncés, c'est quasi du noir quoi. Regardez les filles comme c'est trop beau, j'ai dit j'ai jamais eu de volume, Elle m'a coupé un tout petit peu la mèche, je l'ai écouté. Bon, c'est pas. Elle m'a pas coupé, tu m'as pas coupé énormément. Mais regardez comme c'est beau. Non, mais. Ça change quand même. Même toi, quand elle m'a coupé, elle m'a dit ah, mais ça va, ils sont beaux tes cheveux. Je suis arrivée, on aurait dit que j'avais dormi sous un pont. Non, mais vraiment, ils sont trop beaux. Même vous, les filles, vous me regardez. Putain, j'ai jamais eu les cheveux comme ça. Aussi beaux. Et le soin est trop beau. Ben, on le voit, mes cheveux, ils sont reboostés. Ils étaient tout secs. Trop jolie. Moi qui aime pas les coiffeurs, je reviendrai. Franchement, elle est trop forte et hyper gentille, de bons conseils. Elle m'a coupé un petit peu les pointes. Voilà. Les filles, je suis pas du tout une fille de chez le coiffeur. Vraiment, j'y vais jamais. J'ai dit, je crois que ça doit faire un an que je suis pas allée chez le coiffeur. Mais je vous avoue que c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Genre, tu sors, tu te sens bien. Tu te sens. Je suis coiffée. J'ai dit, presque ce soir, je vais dormir debout pour regarder ma coiffure. Non, franchement, elle est trop de bons conseils. Bon, ça se voit que c'est une passionnée, mais vraiment. Les filles, je ne vais jamais chez le coiffeur, donc je ne vous ai jamais vraiment trop conseillé de coiffeur. Mais elle est trop bien. Et elle est gentille et tout. Toute l'équipe, ils sont trop bien.
Ah, je vais vraiment y retourner. Hein. Peut-être faire la couleur que je vous avais dit. On va voir. Je vais chercher ma poupée, mais vraiment, genre, je suis pas du tout une fille du coiffeur. En fait, pour moi, c'est pas une perte de temps, mais en fait, je me dis, je me lave les cheveux chez moi, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que quand tu te laves les cheveux chez toi, t'es pas comme ça quoi. Non, ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Mon oiseau! Ah, ma poupette jolie! Ouais, il y a eu la photo de classe. Avec wow. Les lunettes et sans lunettes. On a fait sans les deux. Pour, la photo du groupe, ouais, ça j'ai dit avec les lunettes. Voilà. Je me fais trop rire, Tatiana. C'est les photos que je vous ai mis hier de Joy et moi en train de marcher. En fait, c'est Tatiana, elle travaille à l'école de Joy, elle a la veste pour une petite fille. Et tous les ans, je lui demandais de la veste de Joy parce qu'elle adore et tout. Et en fait, elle m'a vu marcher avec les petites et elle me disait trop beau. Et je voyais, mais elle me faisait des photos. Du coup, ça, je rigolais et tout. J'en ai dit que c'était une vidéo, mais en fait, non, c'était plein de photos que je vous ai mis hier. J'en ai encore d'autres, mais voilà, c'est le même genre. Et là, je vous explique. C'était la photo de classe. Oui, nous, c'est en novembre. Je sais pas pourquoi, ce matin, j'ai dit ça. On m'a dit, mais non, c'est en septembre. Je sais pas, bon, nous, c'est en novembre. Genre, c'est vraiment le truc que j'attends le plus dans l'année, c'est la photo de classe. Et Tatiana, elle me dit, oh, il y a la photo de classe. Parce que j'ai dit, elle m'a dit avec les lunettes. Je dis, oui, mais avec et sans et tout. Je dis, t'inquiète, je vais toutes les prendre. Et là, elle me dit, faut que je vois, bon, ça, ça me fait rire. Elle m'a dit, oh, la toute classe est tombée, Joy, elle voulait pas. Et elle m'a dit, ah, non, maman, Joy, elle me la photo et tout. Elle m'a dit, je commence à dégainer la licorne. Elle m'a fait trop rire. Oh, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est trop marrant. Attendez, je vais vous montrer Joy comment elle marche. Parce que hier, vous m'avez tout dit, elle marche et tout. Non, elle marche pas bien, les filles. Je l'aide beaucoup, beaucoup. Je la tiens, c'est pas fluide du tout. Je vous montre. On va me cuisiner. Oh mon cœur. On montre comment tu marches avec maman. Oh, donne-moi la main. Bon, c'est long, mais ça va. Il faut bien la tenir. Alors, je peux pas lui lâcher la main, quoi. Mais ça va. Oui, on va. On avance? Allez. Allez. Oui. C'était bien l'école, mon bébé des îles? Oui. Voilà. D'ailleurs, les filles, le kiné, il m'a dit un truc mercredi dernier. Genre, je vais pas vous le dire parce que c'est très positif, mais je vais pas vous le dire parce que, comme je l'ai dit, j'ai arrêté de me faire des espoirs. Je préfère vivre au jour le jour. Demain, il se passe un truc, genre Joy marche, genre je serai la plus heureuse du monde entier. Bisous. Mais je vais pas me faire des plans sur la comète, m'imaginer qu'elle va marcher et trucs et un jour être déçue. Je préfère me dire peut-être le pire. Et qu'un jour j'ai une surprise de dingue. Mais il m'a dit quelque chose de très très positif. Je lui ai dit écoutez, je lui ai dit on arrête et tout, mais j'étais pas méchante, j'étais. C'est ce que j'ai dit, voilà, écoutez, je préfère que on voit. Si ça se passe, ça se passe. Mais genre là c'est trop d'émotion pour moi. J'ai du mal à y croire. J'aimerais, c'est mon plus grand rêve. Demain on me dit, je sais pas, je te donne, tu gagnes au loto ou ta fille elle marche. Mais même la comparaison elle se fait même pas, c'est genre rien, j'aimerais rien de plus que dans ma vie que juste que ma fille elle marche. Mais vraiment genre on peut me donner tout. Non, si je dois choisir quelque chose, ce serait que ma fille elle marche. Bon encore plus, mais ça c'est quelque chose qui est peut-être possible. Sinon évidemment je vous dirais que ma fille soit comme les autres. Mais voilà, c'est genre. Il m'a dit un truc, j'ai dit écoutez, je préfère avoir une grosse surprise, ramener une bouteille de champagne, fêter ça, que pleurer toute ma vie. Donc voilà, je préfère, en fait je pense que c'est moi dans ma tête, avec tout ce qui s'est passé avec Joy et tout, je préfère me dire, en fait avant j'avais des espoirs, pour tout vous dire, j'avais des espoirs, et je voyais qu'en fait non, c'est, peut-être que non, peut-être ça se ferait pas, je m'imaginais des choses. Et en fait, souvent, je me suis dit, en fait, faut que j'ouvre les yeux et que je me dise quand. En fait, je me suis dit qu'il faut que je m'arrête de m'imaginer des choses. Faut que juste que je voyais la réalité en face. Et c'est vrai que. Genre, j'allais pas imaginer que Joy allait faire du basket. J'allais pas imaginer que Joy allait faire de grandes études. Elle parle même pas pour le moment. Je sais pas si un jour elle parlera, je sais pas si un jour elle marchera. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, je vais vivre au jour le jour, entre guillemets. Enfin, en tout cas, avec ses problèmes de santé. Et puis s'il y a quelque chose un jour de ultra positif, ben je serai la plus heureuse du monde. J'aurai même pas les mots. Et si ben ça se passe pas comme je l'aimerais,
bah au moins je suis pas déçue. Donc j'ai même pas, je pense à ce que j'aimerais avoir. En fait, je me dis que c'est comme ça et c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Mais ça, c'est quand tu vis, on va dire, le handicap et tout. Des fois, tu as des espoirs, mais après, tu reviens vite sur terre et tu te dis qu'en fait, faut arrêter d'avoir de l'espoir. Des fois, c'est comme ça et faut juste accepter en fait ce qui se passe, la vie, comment elle est. Et voilà, on a toujours des espoirs, évidemment, mais des fois, faut arriver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère être dure avec moi-même, me mettre des trucs dans ma tête, des trucs durs. Et comme je vous ai dit, être peut-être un jour la plus heureuse du monde, plutôt que de me faire des films et me dire « Ah, ma fille, elle va marcher, ah, ma fille, elle va parler, ah, ma fille, elle va faire des grandes études, ah, ma fille, elle va pouvoir faire du sport et tout. » Et en fait, que ça se passe jamais et que je sois triste toute ma vie et que tous les jours, je me dis « Ah, en fait, non, ah, en fait, non. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'état d'esprit que j'ai avec Joy. Depuis un moment, mais depuis pas très longtemps non plus. Parce qu'avant, j'avais cette vision de « Ah non, mais peut-être qu'un jour, ça va aller, peut-être que si, peut-être que ça. » Et en fait, c'est mieux de se dire peut-être le pire. D'imaginer le pire ou même pas le pire, en fait, ce qui peut se passer tout simplement. Et d'avoir peut-être un genre de miracle, quoi. Mais t'attends rien, en fait, s'il faut rien attendre. Je fais tout pour qu'il arrive, je fais tout ce que je peux. Mais après, c'est pas moi, hein. C'est elle, les filles, c'est entre ses mains, elle. Moi, je l'accompagne, je l'aide, c'est ma fille, je ferai tout. Mais et je suis pas à sa place, c'est pas moi qui peut marcher à sa place, vous voyez ce que je veux dire? Je l'aide, je fais tout ce qu'elle peut, je fais tout ce que je peux pour pouvoir l'aider, l'accompagner, mais je pourrais pas le faire à sa place. Donc voilà, donc bon bref, il m'a dit un truc hyper hyper positif, j'ai dit écoutez, ne me dites pas ça. Il m'a dit ah non, moi je vous le dis, il m'a donné une date et tout, il m'a donné une date, enfin, il m'a donné le nombre de mois, il me parle en moi lui. Je sais pas si ils ont compris ce que je veux dire. Je vais même pas vous le dire parce que vous voyez, c'est ça le truc, c'est que je veux pas m'imaginer quelque chose. M'imaginer quelque chose. Et en fait, ça se passe jamais. Si ça se passe pas dans le nombre de mois qu'il m'a dit, je vais lui dire, ah ouais, mais vous avez vu, en fait, ben non. Donc, mais bon, je voulais vous le dire parce que du coup, il me l'a dit. Même si j'aime pas qu'on me dise des choses. Et donc, du coup, ben maintenant, j'espère. Voilà. Bref, je vais chercher Néné. Voilà. Du coup, photos de classe, il y avait aujourd'hui, j'ai trop hâte de les avoir. Vraiment trop hâte d'avoir les photos de classe. C'est mon. Genre, c'est le truc que j'attends toute l'année, c'est la photo de classe. Vraiment. Ah.